La mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains ne faiblit pas au fil des localités visitées. D'Ouragayo à Diego Nefla en passant par le village de Seri Jacob, ils sont de plus en plus nombreux à sortir pour écouter le message de paix et de fraternité prêché par Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. Je leur ai transmis du moins deux messages dans ma charge de chef de l'État. Un message de paix, paix indispensable à la cohésion et au développement de ce pays. Paix que doit cultiver chaque Ivoirien à l'image du chef de l'État lui-même. Mais le président m'a aussi chargé d'informer nos parents de Diego Nefla qu'il a décidé d'être candidat en 2015. Le sujet de ce rassemblement est aussi la réélection d'Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Et même si les militants du RDR ont réaffirmé leur engagement, leur soutien à Alassane Ouattara, les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien méritent d'avoir une réponse. Nous le soutenons pour tout. Et nous sommes prêtes à Diego Nefla. Les femmes de Diego Nefla sont prêtes pour les futures échéances. Il nous faut des moyens de déplacement, c'est-à-dire des motos, pour que nous puissions sur les campements et les villages, pour faire passer le message du président. Parce que sans moyens de déplacement, nous ne pourrons rien faire. C'est la première visite du secrétaire général par intérim du RDR dans la localité de Diego Nefla. Les populations attendent beaucoup de cette visite et l'une de leurs nombreuses attentes est le reprofilage des pistes villageoises pour permettre l'écoulement des produits agricoles.